Hey, salut les filles et bienvenue sur mon blog vidéo, le Hélène Griou Beauty Beauté Mask-up. Eh bien, chaque semaine, comme d'habitude, je vous raconterai des petites astuces et des petits conseils pour être toujours au top, même si la vie vous a pas fait de cadeau au départ. Hey, aujourd'hui, attention, un dossier brûlant, l'épilation à la cire. Hot. Alors, d'abord, la question qu'on se pose toutes, est-ce qu'il faut s'épiler l'entrejambe? Et je sais ce que vous vous dites, bon, Hélène, maintenant qu'elle est dans le show business, qu'elle a fait son émission de relooking, elle doit s'épiler la craquette. Eh ben non, les filles, ça c'était avant, le ticket de métro, c'est fini, maintenant c'est passe-vaginaux, on est revenu au buisson naturel, les filles, allô, c'est qui? On assume son corps un peu, voilà. Et en plus, plus qu'on a de poils et moins qu'on a de mycoses. Empirique. Voilà. Alors justement, aussi pour les mycoses, petite astuce conso en plus de Tata Hélène, parce qu'on les attrape souvent quand on va à la pistoche, eh ben moi, je vous conseillerais bien de bien replier tous les poils à l'intérieur du maillot. Ça fait écran de protection. Non, mais, oh, on n'a pas besoin de champignons dans notre omelette, hein. Alors les filles, réveillez-vous! Eh oui, il faut arrêter de penser de croire tout ce qu'on vous dit dans les journaux de magazine. Ou même sur le blog de cette connasse de Laurie 75 qui raconte n'importe quoi. Eh oui, parce que le rasoir, c'est super! Super les filles! Ben oui, c'est super le rasoir! Surtout sur les parties de son corps qu'on voit quand on est encore habillé, mais qu'on voit toujours à l'œil nu. Bien sûr! Hein? Vous savez ce que je veux dire, hein? Les trucs qu'on n'aime pas trop, là, le dernier petit village qui résiste. Bah oui, c'est super, le rasoir. On peut faire des petites retouches rapides, comme ça, dans le métro. On va pas se taper la honte de sortir des bandelettes de cire. N'importe quoi. Voilà. Alors après, sinon, évidemment, il y a l'option épilation laser. Alors là, attention les filles, vous lancez pas dans des grands chantiers. Parce que l'épilation, c'est pas tout de suite, c'est pas dès la première fois. Il y a plusieurs séances. Alors, money, money! Ça coûte très cher, ça. Et en plus, c'est pas, ça marche pas sur toutes les incarnations de peau, il faut le savoir. Donc, bah, les filles qui ont une incarnation d'origine plutôt foncée, je suis pas raciste, mais je peux rien pour vous. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser pour le reste du corps, ben, c'est les bandelettes à la cire, classique. Voilà, ça se trouve dans n'importe quel supermarché. Supermarché. C'est bien pratique, c'est pas trop cher. Et je suis désolée, je suis obligée de répondre. Je suis un peu sollicitée en ce moment, depuis que je fais de la télé. Allô? Ouais, je peux pas te reparler, Cindy. Excuse-moi, je suis en train de faire mon tournage de shooting. Voilà. Je te correspondrai plus tard. Bye, c'était Cindy, une... Mais non, mais c'était pas Monsieur Sanchez? Si, c'était Monsieur Sanchez. Est-ce que tu lui as dit de passer mardi pour réparer la chaudière? Parce que mercredi, ça fera trop tard, parce que vu qu'il fait froid dans le KGB... Oui, enfin, je serais soi, je la ramènerai pas trop, parce que c'est bien plus inquiétant que ce qu'on pensait, hein. Je te signale que ça va nous coûter bonbon, tes conneries, hein. Oh, toi, alors vraiment, qu'est-ce que t'avais à bricoler quelque chose alors que tu sais pas Mais bricoler? c'est toi qui m'as Tu, demandé qu'est-ce que... toi, là! Allez les filles, je vais vous montrer comment c'est qu'on épile maintenant. Donc on chauffe bien la bandelette. On l'applique bien dans le sens du poil, ça c'est important. On colle bien la cire sur la peau. Et après, on serre les fesses. Eh ouais! C'est ça! Et voilà, ça se passe comme ça. Et oui, il faut souffrir pour être belle, les filles. Alors, à la semaine prochaine, n'oubliez pas de regarder mon prochain numéro. Allez, tchuss!